caméras, commence à filmer les deux. Salut les amis, là c'est Jacques. Aujourd'hui je suis au Bocal et la Fourmi chez Audrey. Et aujourd'hui on a invité le grand chef, celui qui a fait tous les plateaux télé en Alsace, c'est Michel Hort, qui est venu nous présenter des produits d'exception. Et aujourd'hui je peux faire la dégustation et les produits qu'on va vous montrer, c'est les produits qui resteront là toute l'année, surtout pour Pâques chez Audrey. Donc on va la poser quelques questions, on va vous montrer quelques produits et surtout le fameux sel romain qui est tellement bon que tout le monde connaît à Brumath. Moi je l'ai à la maison depuis des années et franchement, une fois que tu as goûté le sel classique, tu n'en veux plus. Alors on commence par qui? Par le maestro. Salut Audrey, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour la fameuse dégustation du grand chef qu'on va montrer après. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé pour vraiment mettre des produits de très 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 grande qualité dans ta boutique? Alors moi c'est surtout le local, moi tu sais que si je peux faire fonctionner les commerces de Brumath, c'est entre nous, c'est super important. Donc Michel, moi je lui donne de la visibilité parce que c'est aussi important de savoir aussi ce qu'il fait. Donc voilà, moi c'est avec grand plaisir que ces produits sont mis à disposition. J'ai même investi dans un frigo pour un frigo spécialement pour mettre le saumon, le jambon forêt noir. Enfin, il y a plein de choses, le fameux sel romain et là derrière quelque chose oh là là les amis, et du saumon fait maison. Et ça tourne justement de faire vivre nos artisans locaux qui font vraiment des belles choses parce que on va revenir sur Michel après. Michel, c'est pas n'importe qui. Il a un palmarès, il a un pédigré incroyable. Bon, je peux m'acheter le tour vers lui alors. Bien sûr. Salut Michel. Je défends le petit commerce. Le petit commerce, de proximité, ouais. Et j'étais aussi dans l'association des commerçants à l'époque. On a fait énormément de choses. On était une très bonne équipe. Donc, moi, je suis venu ici aussi pour mettre d'une part mes produits en avant et puis aussi d'autre part pour défendre ses valeurs. Culinaire, puisqu'effectivement tous les produits alimentaires qui sont vendus sont effectivement d'exceptionnels produits. Ici, ouais, surtout. Voilà. Ouais. Et les gens ont souvent trop pris l'habitude, excusez l'expression, de bouffer de la merde. Comme disait Jean-Pierre Coff, mais des fois, vaut mieux dépenser un tout petit peu plus et manger vraiment un bon produit qui ne te fera pas du mal que d'acheter justement des produits qui sont, Pommes-Fischhoff, comment on dit ça en français. Toi qui sont transformés plusieurs fois. Quatrième gamme, ce qu'on appelle, donc, avec beaucoup de conservateurs. Exactement. Pour ça, juste avant Noël, je propose un peu ma petite liste de produits que je vends pour Pâques le jour même. Et aussi mon saumon fumé que je produis 2-3 fois par an. Soupe d'écrevisse. La soupe d'écrevisse, on va le montrer, la soupe d'écrevisse, donc c'est ça les amis. Dommage qu'il n'y a pas les odeurs dans ton appareil. Ah, c'est ça. Ça sent trop bon. Et ça, décide pour moi après. Ça, c'est le saumon fumé. Et voilà. Et un peu de Gravlax. Et voilà. Je sais que tous les ans, tu as le stand à Noël où tu vends tout ça. Et tu étais souvent avec mon voisin Léonard. Léonard, je te fais un gros bisou, j'en mets tout le regard. Et Michel, honnêtement. À l'époque, tout ce qui était de la haute sphère, de l'État, ils sont venus manger chez toi. Attends, il y a un client à la porte. Je sais pas. Non, il n'y a personne. Je me rappelle, il y a eu des députés, des sénateurs, des présidents, tout le monde qui passait chez toi à l'époque. Parce que tu as vraiment fait une cuisine, je me rappelle, beaucoup de gens l'ont parlé, c'était l'osso buco. Enfin, quand je suis en train de m'égarer, tu vois, dans la vidéo, mais il faut vraiment préciser. Il faut vraiment préciser qu'à Brumath, on a des grands messieurs comme Michel qui ont marqué l'histoire de la ville. Et c'est vrai. Tu as marqué l'histoire de la ville quand même. Oh non, moi je suis. Ben si, c'est vraiment le restaurant, le grand restaurant gastronomique. Savoir faire ce qu'il doit faire dans tous les métiers. Que ce soit l'artisanat, que ce soit la cuisine, que ce soit dans tous les métiers. Il faut être passionné avant tout. On a des grandes entreprises à Brumath. On a des grandes, exactement. Voilà. Mais tu fais vraiment, moi je trouve que tu fais partie de l'histoire de la ville. Et je crois que ma voisine, elle avait travaillé à l'époque dedans au Krabs, Barbara Chris, non? Elle n'avait pas travaillé chez toi, je m'en rappelle. Si, elle a travaillé. C'est ma voisine aussi, mais là Barbara, c'est une grande. Très belle femme et tout, mais ça, c'était il y a très très longtemps. Donc, Michel, reviens à ton saumon là. Alors, explique-nous un peu comment tu le fais, s'il y a un affinage spécial, un fumage spécial. Donc là, effectivement, avec le même saumon, bon, effectivement, au niveau des saumons, il y a aussi des très grands problèmes au niveau élevage. Ouais. Donc je suis arrivé à trouver un très très bon saumon d'Islande. C'est au fin fond. C'est loin, quoi. Oui, c'est très loin. Hein. Ne t'en fais pas, c'est pas moi qui l'ai cherché. Hein. Ah ouais, je prends tout, parce que je vois la camionnette. Parfois, il me faut 4-5 jours jusqu'à ce que je l'ai, parce que ça va de Boulogne jusqu'à Strasbourg. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Après, il faut 48 heures de salage. Donc, moi, je pratique la recette norvégienne, c'est autant de sel que de sucre, et quelques petites épices qui font la différence. Ah, je ne savais pas comment. Et après, il faut le dessaler, parce que l'avantage, le saumon, il prend le sel qu'il a besoin. Mm-hmm. Après, il faut quand même le dessaler, et après, il faut le fumer.
j'ai encore un très très grand fumoir où effectivement il faut que la fumée elle arrive sur le saumon presque froid, donc c'est très difficile. Donc tous les fumoirs en métal et tout ça, ça donne envie. Donc c'est quoi un fumoir avec des copeaux de bois, ça aille mal ou comme on dit? Ouais. Ah, bah, vraiment le fumoir à l'ancienne. C'est de la sciure. C'est de la sciure, ouais, copeaux de bois, c'est sciure, ça aille mal, ouais. Voilà. Incroyable. Et puis voilà, c'est ça le petit truc. Et puis il faut des temps d'attente, des temps de séchage, des temps de fumage, voilà. Ouais. Donc il faut à peu près minimum 6 jours à 7 jours pour faire un très bon saumon frit. Un très bon saumon gratuit. Après, il ne faut pas le manger tout de suite. Après, il faut attendre un peu, sinon ça sent trop le fumé. Ça, voilà. C'est difficile, quoi. Voilà. C'est vraiment. Il donne envie, tu sais, mais tu es obligé d'attendre parce que. C'est tout un art. Il faut pas être gourmand comme moi et tout de suite vouloir le manger, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un goût exceptionnel. Donc... Alors, bien sûr, sans conservateur et tout ça, et les gens qui prennent mon saumon, ils voient la différence. Ils voient la différence quand entre du vrai saumon et du truc en. Alors, on peut faire la même chose avec le Gravlax, hein. Que j'adore en été, au printemps. Qu'est-ce que c'est que le Gravlax? Justement. Alors le Gravlax, c'est mariné de la même façon. Ouais. Et après, je le termine avec de l'aneth. Hein. L'aneth ou dill, en alsacien ou en allemand. Yeah. Et après, je le mets sous film, je le mets sous vide. Et ça donne un très bon goût. Voilà. Donc ça parfume un peu plus. Ça se marie très bien prochainement avec les asperges. J'adore ça avec les asperges. Des petits points d'asperges. Mm. Et puis voilà, on peut faire une petite sauce wasabi avec, voilà. Hein, voilà. Ah ouais. Donc les dégustations vont continuer après. Bon, wasabi c'est quand même costaud, hein. C'est fort hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger un peu épicé. J'aime bien la cuisine. C'est un peu la fusion. C'est le harissa japonais. Moitié harissa et moitié réfort avec un peu de crème alsace-lait et un peu de mayo. Ah ouais, donc c'est un peu moins fort. Donc c'est plus doux au niveau de la gorge, ça t'arrache pas. Voilà. Quoi. C'est comme le réfort mélangé avec de la mayonnaise, c'est un peu moins violent. Quoi. Voilà. Et également, tu as fait une petite soupe, il faut que je montre tout ça. Bah, alors, la vidéo est longue. De longue date, c'est la soupe d'écrevisse, tu vois. Oh. Voilà. Mmh. C'est un truc de malade. Et Audrey, cette soupe-là, tu la vendras dans les bouteilles en verre ici. Tu l'as déjà ici? Oui, je l'avais déjà, effectivement. Donc, elle est à disposition. Donc, tous les produits que Michel aujourd'hui nous présente, nous fait déguster. C'est bon, ça. Bon, tant que je rentre à la maison, je fais la vidéo, ça a déjà passé. Mais je peux savoir qu'ils sont au magasin. Et si vraiment c'est pas là, moi, ah bah voilà. Voilà. Oh, je t'ai dit, c'est content là, donc, ça s'est stérilisé. Donc, ça se garde 2 ans sans problème. 2 ans? Oui. Mais j'ai des produits stérilisés, des produits pasteurisés comme le Prescoff. Oh, le Prescoff, le Prescoff, quand j'étais professeur de cuisine à Paris. Toi, Prescoff, toi. Oui, ben, elle a les pots, moi je l'ai fait. Prescoff. Et moi je l'ai là, en pot. Ah ben voilà. Ça c'est pasteurisé, hein. Pasteurisé. On peut le garder jusqu'à 6 mois, hein, voilà. Là on est... C'est comme un pâté en fin de compte qui... Non, le pâté. Le vrai Prescoff, il faut de la tête, des langues et des jarrets. Et puis après, il faut le cuire avec des assaisonnements bien particuliers. Et voilà. Et quand j'étais professeur de cuisine au CEPROC, un lycée professionnel à Paris, il y avait le concours national. Ouais. Et je me suis dit, écoute, je suis là, je vais vous présenter. Bah, j'ai eu le troisième prix, j'ai eu le prix de... Enfin, sur 60 participants, j'ai eu le troisième prix. Je me trompe pas, il y a une vidéo sur Internet. Quelque part qui tournait, je crois. J'avais vu un truc une fois où les images d'archives de DNA. C'est une conférence qu'il y a sur Internet sur Michel. Ah, c'est les conférences vidéo que j'avais vues. Ouais. C'est bien la preuve que j'ai été dit mon sujet. Enfin, quand je regardais tout ce que je trouve sur lui, tu sais. Donc, les amis, en même temps, il était prof. Cet homme, il a une carrière exceptionnelle. Et maintenant, il a la retraite, on va dire, et il continue à faire des belles choses. J'ai jamais travaillé autant. Jamais travaillé autant qu'à la retraite. Depuis qu'il y a Audrey, elle me fait travailler. Tu m'étonnes. Michel, est-ce que je peux goûter une petite tranche de saumon? Mais c'est pour toi, je t'ai préparé ton petit truc. Tout, mais pas tout, ça va faire plaisir. Tes vidéos, il ne faut pas qu'elles soient trop longues, sinon il ne le regarde pas. Oui, si, il regarde. Fais en plus. Il y aura de plus en plus. Il regarde Audrey, et peut-être à côté. Il ne regarde même plus à faire F3 Alsace, il regarde. Non, F3 Alsace. Oh, ça a été lié au chien quand il a pu en assassin. Au chien, au chien, je rentre. Moi, je le connaissais très bien. Oui, c'est pas ça. Avec Eric Vial, je le connais depuis 30 ans. Tu sais que Lionel, la fois, j'ai parlé en assassin pendant 2 minutes. Et à bout de 2 minutes, il me fait. Mais tu sais que je parle pas Alsace, je suis tout court. Je dis, mais attends, t'as vu Alsace 20. Un grand bisou à Eric Vial, je pense qu'il regarde aussi. Donc, les amis, on va goûter. Ah, d'abord, toujours sentir le produit, c'est important. Là, il faut aussi dire que je fais mon pain anglais moi-même. Oh. J'adore faire le pain, donc voilà. C'est un excellent pain. Oh ben. Donc, moi, j'aime bien sentir le produit, les amis. Quand tu sens le produit, c'est déjà, ça donne direct envie de manger et ça passe pas les savoirs. Je vais goûter. Hein. Bon, il manque des langues, mais je sais, je vais mettre à l'appareil. Oh merde.
Non, mais jusqu'à ce soir... Comment la maison... C'est quoi, c'est... Non, c'est pas une dent. Non. Bon, il y a un peu qui me reste. Alors, quel pain qui est frais. Mmh, c'est le pain de mie, c'est le pain anglais. Le pain est très important. Tu sens vraiment le sel. Et c'est pas violent. C'est doux, c'est agréable. Qu'est-ce que tu sens comme petite épice dans le saumon fumé? Alors, je sais pas pour vous, moi j'ai plus l'habitude de manger. Hein. Ouais. Bah, en fin de compte, il faut jamais qu'il y ait une épice qui domine. Je sais pas. Il faut que ça relève le goût, mais pas que ça domine. Mais c'est... Bah, je te le dirai pas. C'est le secret. Et voilà, c'est le secret. Ekenos. Et c'est le secret. Quand je dis qu'un truc est bon, je mange jamais. De toute façon, j'aurais moment, c'est ça, mais ma femme dit toujours, on ne parle pas la bouche pleine, pardon. Et puis je ferai ça. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup, beaucoup les choses. Attends, je ne comprends pas, André. C'est long vidéo, mais c'est pas grave, il faut que c'est pour les archives. Les amis, je leur dis, venez chez André. Elle est ouverte du lundi au vendredi. Non. De mardi au vendredi. Le samedi. Samedi. Non, il faut juste voir si tu te rappelles. Le samedi matin seulement. Samedi matin seulement. Bah oui, parce que j'ai déjà passé l'après-midi, c'est fermé. Si les gens de Brumath me le demandent, je peux ouvrir. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas assez de demandes pour ouvrir le samedi après-midi. Venez goûter le produit de Michel, c'est bien trop pack. Alors, c'est légèrement, je veux dire, plus cher que dans les magasins classiques, mais c'est pas le même goût, les amis. C'est vraiment. Tu recherches du goût, tu recherches de la saveur, tu recherches quelque chose de bon. Il faut aller sur les produits tels quels. Et pas. Je vais dire, n'achetez pas forcément de la merde, achetez en moins, mais achetez quelque chose de bon. C'est ça. C'est ça. Là, c'est l'occasion de se faire un petit peu plaisir pour Pâques. On sait que c'est difficile pour tout le monde. C'est pour tout le monde, voilà. Mais voilà, un petit plaisir pour Pâques, c'est l'occasion. Au mieux, acheter moins grosse quantité, mais une quantité meilleure, qui est meilleure pour la santé, qui n'est pas remplie de sel, qui n'est pas transformée 50 000 fois. C'est ça qui est hyper important. Et maman, j'aime bien aussi tes petits salamis, tout ça, mais en ce moment, comme j'ai plus assez dedans, je ne peux pas en manger. Artisanal, tout fait maison et tout, c'est ça qui est bon. Michel, et ça te fait moi te merci. À chaque fois que je vois les trucs, et après, est-ce que je peux goûter la soupe après? Au téléphone là. Mais oui, bien sûr. Non, que j'ai de la bouche, comme je suis dedans, j'ai du mal. Les amis, je sais, c'est une vidéo assez longue, mais des fois, tu ne peux pas présenter un produit ou parler d'une marchandise en 2 minutes top chrono, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est bon, il faut vraiment le montrer, il faut vraiment montrer aux gens que c'est un bon produit, que ça donne envie de le manger. Et justement qu'il faut venir dans le petit magasin, faire vivre nos petits producteurs, faire vivre nos petits artisans, faire vivre nos petits magasins, tout simplement quoi. Petit magasin de proximité, c'est ça qui est important. N'allez pas toujours dans les grandes surfaces, faites vraiment le tour de le petit magasin, c'est hyper important. Parce que les jours disparaissent tous, il nous restera quoi? Que les grandes enseignes, et cela vont vous vendre ce qu'ils ont envie. Et plus les bons petits produits qu'on a l'habitude de manger, ou les produits de notre enfance, comme on était jeunes. Moi, je me rappelle à l'époque, nous, on faisait nos saucissons tout nous-mêmes à la maison et tout, et le jambon et tout nous-mêmes. Le lait, c'était du paysan. Et je me rappelle de toutes ces saveurs, de tous ces goûts. C'est incomparable par rapport à maintenant. À part chez les petits artisans, comme chez Audrey ou comme Michel, qui nous font vraiment quelque chose de spécial. Hop, et je fais l'ensemble. Donc, dealer, vraiment... je suis là jusqu'à 18h30. Il est là jusqu'à 18h30. Mais... déguster. Ouais, mais tant que je monte la vidéo, c'est un peu chaud, quoi. Faut que j'en tout de suite. Mais je peux savoir que les produits, ils sont là. Je fais des stories pour ça, pour dire aux gens que les produits sont là pour pas que tout. Venez voir Audrey, demandez-lui les produits de Michel Hoff, la Paraskopf, le saumon, la sorrels, les vignes, les bisques, les soupes. Hop, elle vous dira déjà tout ce qu'elle a. Hop, Maro Scott, merci, faites-tu l'œil. Salut Pessoma. Salut Pessoma. Michel, salut Pessoma. 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 Salut P